Et sont parfois prêts à tout pour retrouver un travail. Ce que le Pôle emploi nomme les seniors payent le plus lourd tribut face à la montée du chômage. Fin 2015, on comptait 884 700 seniors sans emploi, trois fois plus qu'en 2008 avant la crise. Recul de l'âge du départ à la retraite, salaire trop élevé, discrimination liée à l'âge, seniors au chômage, une génération sacrifiée. Itinérabis vous emmène dans la région de Toulouse. Jusqu'ici épargnée, elle doit faire face à une forte hausse du chômage. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée a ici fait un bond de 10%. Dans cette émission, nous irons à la rencontre de Françoise, à 56 ans, au chômage depuis un an. Elle nous expliquera pourquoi elle continue de chercher un emploi malgré les difficultés qu'elle rencontre. Pour faire face au chômage, ils ont décidé de créer leur propre activité. À 51 ans, David, ancien cadre supérieur, est devenu jardinier à domicile. Ahmed, 62 ans, a lui décidé de surfer sur la vague de l'économie collaborative en louant sa voiture à des particuliers pour arrondir ses fins de mois. Enfin, je vous emmènerai à la découverte de ces fausses entreprises où l'on travaille pour de vrai. En France, une centaine de structures au capital fictif permettent à des chômeurs de longue durée de remettre un pied dans l'emploi et de retrouver confiance en eux. Françoise. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir. Alors, nous sommes dans le petit village de La Bastide-Beauvoir, c'est ça? Tout à fait. À une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Vous avez 56 ans et vous vous rendez compte, Françoise, que c'est pas toujours simple de trouver un emploi, surtout quand on monte en âge. Oui, c'est vrai. Les soucis, les problèmes ne sont pas les mêmes à 30 qu'à 50. Bon, on a peut-être d'autres facilités, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Pour comprendre ce que vous traversez, on vous a suivi toute une journée et 24 heures dans la vie d'un senior au chômage, ça ressemble à ça. Tu coupes le pot, s'il te plaît. 8h30, chez Françoise et Alain, le petit déjeuner, c'est sacré. Elle est au chômage depuis un an, lui à la retraite. Mais pas question de se laisser aller. Alors, c'est quoi ton programme aujourd'hui ? Mon programme aujourd'hui, je me colle sur l'ordi ce matin. Pour rechercher un emploi, c'est bien. Merci. Oui, il faut se donner un rythme, un lever, et une organisation dans la journée pour vraiment pas se couper du monde, se couper de la société. Des formations et des contrats parfois refusés à cause de son âge, des problèmes de santé et un divorce. À 56 ans, comme pour beaucoup de seniors, sa recherche d'emploi s'est transformée en parcours du combattant. Son premier interlocuteur, le Pôle emploi. Pas toujours aussi efficace qu'espéré. Un jour on a tel renseignement, le lendemain, ah non c'est pas possible, on n'a pas pu vous dire ça. Il faut toujours aller à la pêche, à l'info. Et c'est frustrant parce que finalement on perd du temps dans la paperasse, on perd de l'énergie, on peut vite se décourager. Bonjour Louis, ça va? Ça va et toi? Salut Maryse. C'est bien passé ce matin, ça va? Oui très bien, merci. Pour obtenir une retraite à taux plein, Françoise doit encore travailler 5 ans. Alors en attendant un hypothétique travail, il faut se serrer la ceinture. Eh ben c'est vrai qu'il faut faire attention, mais ça n'empêche qu'il faut manger aussi. Donc ça fait partie du quotidien, qu'il faut pas toujours calculer, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'extra. Voilà. Oui, voilà Françoise. T'as des nouvelles de mon CV que j'ai déposé? Ça a été pris? Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait passer, oui. Ah super, très bien. Bon, bah écoute, je te remercie. Il n'y a plus qu'à espérer. Comme tu dis, on va espérer, hein. Allez, à bientôt, au revoir. Depuis 2010, elle a cumulé une dizaine de CDD. Et depuis un an, plus rien. Mais face à l'épreuve du chômage et de la précarité, Françoise a décidé de positiver. Pour se donner une nouvelle chance, elle s'est tournée vers une association toulousaine. Bienvenue chez Trajectoire vers l'emploi,
créée en 1997 par des anciens cadres de chez Motorola. Ici, les chômeurs profitent d'un accompagnement individualisé avec un parrain. Ce jour-là, Françoise a rendez-vous avec Claire et Jean, deux anciens responsables des ressources humaines à la retraite, pour une simulation d'entretien. L'exercice tant redouté par les demandeurs d'emploi. On va jouer ça comme si c'était du réel, donc on va jouer notre rôle. Toi, tu vas répondre de la façon la plus spontanée possible. Et ensuite, on va discuter tous les deux et on se reverra pour débriefer. Des seniors sans emploi, les bénévoles de l'association en voient de plus en plus. En un an, le taux de chômage des plus de 50 ans a explosé de 8,5% en Midi-Pyrénées. Des seniors victimes bien souvent de discrimination à l'embauche. Ils sont dans une situation parfois un peu désespérée parce qu'ils ont l'impression qu'on les oublie. Et pour eux, c'est un choc quand on leur dit qu'à 45 ans, ils sont considérés dans la deuxième moitié de leur vie professionnelle et considérés un peu comme des seniors, alors qu'ils se sentent en pleine force de l'âge. Voilà, merci. Tes points forts, c'est la stabilité. Tu es resté très stable tout le temps de l'entretien. Mm-hmm. C'est très bien. Et, oui. Il n'y a pas de souci, tu réussiras. On te donne le poste. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Difficile d'envisager l'avenir sereinement. Françoise, elle, ne perd pas espoir. Elle va retrouver un travail. Elle en est persuadée. On se retrouve à l'association avec Françoise et Gwenaëlle Perraudeau. Vous êtes la coordinatrice réseau de l'association Trajectoire vers l'emploi. On l'a vu dans le reportage, quand on est senior, trouver un emploi, ça relève presque du miracle hein, parfois. C'est très dur, oui, de retrouver un emploi, surtout qu'on vous renvoie très rapidement à partir de 40-45 ans que vous êtes senior. Donc, s'entendre dire qu'on est trop âgé pour aller à l'emploi, alors que la retraite, plus ça va, plus ça rallonge. Hein. Donc, on est aussi sur une reconversion parfois professionnelle, parce que les métiers aussi disparaissent. Donc, il faut penser à une reconversion. C'est votre sentiment également, Françoise ? Oui, c'est ça qui est des fois difficile, parce qu'en plus, on se trouve face à une solitude personnelle. Même s'il y a un couple, il y a une solitude personnelle. Hein. Se remettre en cause, se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, j'en suis arrivée là, et qu'est-ce que j'ai raté. Le cas de Françoise est isolé ou au contraire vous voyez ici de plus en plus de seniors au chômage? On en rencontre de plus en plus. On a même des personnes qui ont plus de 58 ans, 60 ans, qui viennent aujourd'hui, qui recherchent aujourd'hui un travail, hein, parce que il faut travailler jusqu'à 64, 65 pour certains. Donc ils sont en recherche d'un emploi, donc bien souvent aussi, et malheureusement ils intègrent qu'il faut accepter un autre emploi que ce qu'ils ont eu, parce que la difficulté fait que c'est plus difficile parfois, donc ils vont vers des professions qui les attirent pas forcément, mais qui vont compter pour les trimestres et pour aller jusqu'à la fin de la carrière. Ils vous disent quoi ces seniors quand ils arrivent ici ? Bien souvent, ils ont eu un parcours quand même assez long de recherche avant, parce que c'est normal, ils essayent de rechercher d'eux-mêmes. Hein, voilà. Mais souvent, ils arrivent un peu, pas dire fatigués un petit peu de leur recherche, parce que c'est fastidieux de chercher seul, on se décourage, on est découragé de chercher seul. On a l'impression de tourner un petit peu en rond parce qu'on n'a plus d'idées. Voilà. Ils viennent chercher des apports d'idées, ils viennent chercher un professionnalisme chez nous aussi, voilà, des personnes et des parrains, des professionnalismes. En France, il y a une discrimination à l'embauche à l'égard des seniors ? Oui, il y a une discrimination qu'on sent de plus en plus, je pense, parce qu'on a quand même des retours de filleuls qui vont quand même à des entretiens et qui ont des retours quand même en disant on a préféré une jeune. Voilà, on a mis une jeune à votre place. Alors, ce qui est encore plus dur, c'est que la personne correspond. Ils l'ont convoqué, on l'a amené à l'entretien. Et la déception est encore plus dure quand ils entendent ce discours-là derrière. Par contre, la personne, le senior, a énormément d'expérience. Mais on ne tient pas compte de l'expérience. On demande parfois des diplômes au lieu d'avoir une expérience. Oui, c'est le système français. Oui. De valoriser le diplôme au détriment de l'expérience. Et c'est ça qui est fort dommage. Parce qu'effectivement, à notre âge, on a plus dans le savoir-faire, dans le savoir-être. Oui. Et là, ce n'est pas suffisamment valorisé et ce n'est pas forcément dans l'état d'esprit des employés. Merci Françoise, merci Gwenaëlle. Merci Julie, merci Françoise.
Pour certains, elle serait la solution anti-crise, l'économie collaborative, un monde où chacun peut vendre ses services en utilisant une application pour être mis en relation avec une demande. Transport de personnes, location d'appartements, Ahmed a lui choisi de louer sa voiture pour arrondir ses fins de mois. Près de Toulouse, David est lui devenu jardinier à domicile. Deux seniors qui, à leur façon, ont choisi de créer leur activité. La ville de Castres dans le Tarn, à 80 km à l'est de Toulouse. Non loin du centre, dans un quartier résidentiel, Didier Marty débute sa journée. Il est jardinier à son compte depuis quelques mois. Un virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle. Il a troqué son costume cravate pour le râteau et taille-haie. Son nouveau bureau, les jardins chez les particuliers. Et il est heureux. Je suis bien. J'ai un job, un, deux, qui me plaît. Et je retrace ma vie, quoi. Une vie professionnelle brillante, comme directeur régional d'un grand groupe. Et même chef d'entreprise. Mais la crise économique et quelques soucis de santé l'ont amené vers la case chômage il y a 3 ans. À 50 ans, il a vite compris que son âge serait un handicap. Déjà, un recruteur m'a parlé de pré-retraite à mon âge, quoi. C'est vous dire. Alors. Et j'ai senti que si je restais dans cette voie de recherche d'emploi, de répondre aux annonces, d'aller aux entretiens, etc., ça allait durer des années et des années. Donc j'ai dit, ça suffit, je démarre un truc. J'ai déjà créé des boîtes dans ma vie, j'en recrée une. Et quitte à recréer une, ce sera certainement la dernière que je vais créer, l'âge que j'ai. Autant me faire plaisir. Outillage, véhicule, trésorerie. Pour monter sa petite entreprise, Didier a dû investir près de 15 000 euros. Seulement voilà, lorsqu'il présentait son projet auprès des banques, les rendez-vous tournaient court. Donc oh là là, vous êtes courageux, monsieur Marty, mais à votre âge, montez ça, mais au revoir quoi. Il y a même des rendez-vous, quand j'ai donné mon âge, qui ont été annulés par des banques. Mais sûr de lui, Didier a persévéré. Aujourd'hui, son activité est rentable. Mieux, Didier va même recruter 2 associés. Du renfort bienvenu, notamment après de longues journées bien remplies depuis des mois. Et s'il a pu se financer, c'est grâce à une association d'aide à la création d'entreprises. Toulouse, dans les locaux de l'ADI. Voici l'homme qui a accompagné Didier Marty pour obtenir un microcrédit. Des seniors dans le besoin, il en reçoit de plus en plus. Ils ont clairement intégré le fait que le marché de l'emploi pour eux à cet âge-là, c'est terminé. Voilà. Donc ça, quels que soient les profils, et on voit des gens avec des profils extrêmement, quoi, avec des expériences professionnelles très très importantes. Alors je vais revenir à M. Marty, mais ce qui est important et dans M. Marty aussi, c'est qu'il a eu, après avoir une carrière professionnelle relativement brillante, c'est qu'il a eu l'humilité aussi, ce qu'il faut avoir cette humilité-là, de repartir à zéro. Voilà, et de mettre les mains dans le cambouis. Dans cette agence, en 3 ans, les dossiers des seniors ont progressé de 7%. Désormais, près d'un quart des financements accordés par l'ADI concernent les plus de 50 ans. Beaucoup choisissent cette voie d'insertion pour retrouver une activité rémunératrice. Certains parce qu'ils étaient dans des grandes entreprises avec un certain niveau de rémunération. Ils sont assez difficilement employables et donc ils créent leur boîte dans des domaines de consulting, d'ingénierie, dans le domaine médical, dans le domaine des services commerciaux. Il y a ceux qui créent leur entreprise et ceux qui tirent parti de la nouvelle économie. Dans la banlieue toulousaine, voici Ahmed, la 60aine. Il est au RSA. Faute d'avoir pu retrouver du travail il y a 3 ans, il tente sa chance et loue sa voiture à des particuliers sur Internet. Et surprise, les locations tombent régulièrement. Sur Driveir, actuellement, j'ai 2 locations. Et bon, c'est pas fini parce que j'ai d'autres pré-réservations qui n'ont pas été confirmées. Mais normalement, quand les dates de vacances se rapprochent, tout le monde commence à confirmer. Ahmed peut avoir le sourire. En 3 ans, ses locations lui ont rapporté près de 10 000 euros. Ça, c'est les évaluations qui m'ont été faites par les locataires. Donc actuellement, c'est vraiment une nécessité aussi. C'est un complément qui n'est pas négligeable. Mais en même temps, ça permet des rencontres avec des gens. Et certains sont devenus des clients réguliers.
Alors sa voiture, il la bichonne. Là, on va aller à la station de lavage pour la nettoyer un peu pour qu'elle soit prête à partir. Pour Ahmed, ce circuit est devenu un rituel. Mieux, une activité régulière. Ah ben c'est mon nouveau métier, entretien des voitures. Mais je le fais avec plaisir. Sur le site de location Drivee, comme Ahmed, 15% des seniors louent leur voiture. En France, ils sont de plus en plus nombreux à créer leur activité. À l'heure où le chômage chez les plus de 50 ans bat des records, ils étaient près de 900 000 sans activité en 2015. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit à l'Université de Toulouse Capitole où nous nous trouvons et vous avez notamment travaillé sur l'emploi des seniors. Le taux de chômage des seniors a beaucoup augmenté cette année, plus 8,7% contre seulement 3% chez les jeunes. Pourquoi cette catégorie de la population est plus touchée par le chômage? Alors ça s'explique sans doute dans un premier temps par l'augmentation du taux de seniors en activité. Puisqu'on est dans des logiques aujourd'hui en faveur de l'allongement des carrières professionnelles, donc d'une augmentation du taux de seniors sur le marché du travail. Et c'est un effet quasi mécanique que cette augmentation du taux de chômage. En outre, on peut dire également qu'on reste sur d'anciens modèles, d'anciens réflexes, c'est-à-dire que les seniors en période de crise sont la principale variable d'ajustement des effectifs dans les entreprises. Et je pense qu'il y a une forme de consensus général pour faire partir prioritairement les seniors, singulièrement en période de crise. Alors pour mettre fin à cette situation, des dispositifs ont été mis en place comme le contrat de génération lancé par François Hollande. C'était une promesse de campagne. Il a été lancé en mars 2013. Alors le dispositif, je le rappelle, c'est une aide de 4 000 euros donnée aux petites et moyennes entreprises pour l'embauche d'un jeune contre le maintien d'un senior dans l'entreprise. En 2 ans et demi, seuls 52 000 contrats ont été signés. Le gouvernement en visait 75 000 par an. On peut dire que c'est un échec. C'était nouveau. L'idée était bonne en ce sens qu'il y avait cette idée de pacte intergénérationnel et qu'il faut éviter de tomber dans la stigmatisation de catégories. Donc là, ce n'était pas une catégorie contre l'autre. Donc ça permet de faire le lien. Mais le lien, il est quand même assez artificiel parce que la problématique de l'emploi des jeunes n'est pas du tout la même que la problématique de l'emploi des seniors. Ces dispositifs aidés ont leurs limites dans la mesure où tout dépend de la situation économique. Est-ce que les entreprises vont créer des emplois parce qu'il y a un dispositif d'aide ou parce qu'elles ont besoin de main-d'œuvre? Donc du coup, on n'est pas, c'est pas tellement surprenant que ça n'ait pas fonctionné comme le gouvernement l'espérait dans le contexte économique actuel. Au fond, aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu du maintien des plus âgés dans l'emploi? Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein. La principale raison pour laquelle il faut allonger les carrières professionnelles, c'est pour résoudre la difficulté de financement de l'assurance vieillesse. Alors plus étonnant encore, le gouvernement propose de renvoyer les seniors en formation avec, comme pour les étudiants, les jeunes, un contrat de professionnalisation. Mieux former les seniors, c'est une solution? En fait, pour être dans l'emploi, il me semble qu'il y a deux conditions. Il faut être en bonne santé ou suffisamment bonne santé pour pouvoir travailler et il faut être employable. Si on veut vraiment allonger les carrières professionnelles, il faut travailler sur ces deux volets-là. Alors il faut travailler sur ces deux volets-là tout au long de la vie, c'est-à-dire améliorer les conditions de travail tout au long de la vie pour que les personnes n'arrivent pas épuisées en fin de carrière. Et puis il faut améliorer l'employabilité, ça veut dire former les personnes tout au long de la vie. Il me semble que des dispositifs, même en fin de carrière, favorisant l'emploi, l'employabilité des seniors, ben, il me semble que ce sont des dispositifs qui peuvent être intéressants. On l'a vu dans le reportage, certains seniors, chômeurs de longue durée, se tournent vers l'économie collaborative en créant leur propre activité. Est-ce que c'est ça, l'avenir, un monde où chacun crée son propre job? On assiste à l'émergence de nouveaux statuts. Je pense que ça ne concerne pas que les seniors, pour le coup.
que c'est une tendance lourde, effectivement, on change le modèle. Je pense que la précarisation devient la règle et que la protection liée au droit du travail s'amoindrit. Donc il faut inventer de nouveaux statuts. Hein. De toute façon, tout n'est pas figé, mais effectivement, il faut trouver des équilibres. On les cherche, hein, je crois, actuellement. Mais bon, c'est une solution, vu le succès que ça a, c'est peut-être une des solutions, mais ça ne peut pas être la solution. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer, mais en effet, il va sans doute falloir le réguler, l'accompagner pour ne pas qu'il y ait trop d'abus. Je pense qu'il va falloir effectivement réguler et offrir des protections à ces personnes-là également. Ouais. Merci Marie-Cécile. Merci. Après des mois ou même des années passées au chômage, difficile de remettre un pied dans le quotidien du travail. C'est ce que proposent des entreprises d'entraînement. Des locaux, des bureaux, des horaires bien réels, mais une activité totalement fictive. Bureautique, comptabilité, vente, direction Bourges où Christophe, Monique et Jean-Louis, trois seniors, profitent d'une immersion grandeur nature dans le monde de l'entreprise. Oui, bonjour madame, Alpha Distribution à Bourges. Pourrais-je avoir... Dans cette entreprise, on vend du matériel informatique. Comme chaque matin au service comptabilité, Monique s'affaire à l'une de ses tâches préférées, la relance des impayés. Donc nous avions une conversation téléphonique à propos d'une facture qui n'était pas réglée et donc l'échéance est dépassée. Donc je passe la personne concernée. Merci beaucoup madame. Mais au bout du fil, la personne est un faux client. Alpha Distribution n'existe pas. Même si dans ces locaux, on trouve une pointeuse, une photocopieuse et même un comité d'entreprise. En réalité, Monique, 58 ans, est salariée stagiaire dans une entreprise d'entraînement. Dans le secteur de la formation, on appelle cela une EEP. Comme celle-ci, il y en a une centaine en France. Pas tout à fait une école, ni une société. Ici, des emplois aux employeurs, tout est faux. Sauf le travail, bien réel, lui. Pour nous, on est vraiment comme dans l'entreprise. Tandis que dans une autre formation, on s'arrête souvent à l'enregistrement facture et tout, mais on ne voit pas le final. Tandis que nous, là, on a des vrais tableaux. Donc on a besoin, on appelle le client, c'est vraiment... Enfin, moi, je suis très contente. On est vraiment obligé de rendre des comptes, on a un responsable comptable, on a vraiment... Là, on est très, très bien encadré quand même. Et comme dans toute entreprise, il y a une direction. Stéphanie encadre la vingtaine de stagiaires. Ils restent là en moyenne 3 mois. La plupart sont des chômeurs depuis plus d'un an. Fanny, vous pouvez déposer ça à l'accueil tout à l'heure ? Oui. Ils apprennent un nouveau métier, même après 50 ans. Alors moi, je suis en train de remplir ma dernière semaine de mon livret, donc où j'ai marqué tout ce que j'ai fait. Il y en a, c'est vrai, qui sont, ils ont été responsables de magasins, de boutiques. Ils n'ont jamais travaillé derrière un bureau. Donc c'est, un peu la dernière chance, oui. Pour eux. Nous retrouvons le groupe à l'heure de la pause. Autour du café, on cause boulot. Ouais. J'ai basculé le dossier pour mettre sur un des PC, enfin un des 6. Moi, c'est ça ce que j'aime le moins, la déclaration de TVA. C'est le plus dur. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est le plus dur. Après 3 mois de stage, Monique a repris confiance en elle. Quand on n'a pas travaillé depuis un certain temps, on se dit où est-ce qu'on va aller, avec qui on va tomber, et tout. Donc on arrive. Et puis finalement, les 3 premiers jours, on est sur la défensive. Et puis au bout d'un moment, on est obligé de lâcher prise et puis de se laisser aller. Donc moi, c'est vrai que maintenant, si je vais en entreprise, j'aurais beaucoup moins peur. Être valorisée, certainement l'une des meilleures récompenses pour Monique. Elle a pris conscience de son utilité. Et aujourd'hui, c'est elle qui réconforte les jeunes stagiaires. Bah oui, c'est notre chaperon au niveau du poste de compta. Et si on a besoin, on lui demande à elle d'abord en priorité. Après 30 ans passés dans une association comme secrétaire, sans aucune expérience en comptabilité, Monique est en passe de réussir sa reconversion. C'est aussi toute la finalité de cette pédagogie financée par les régions. Ah, bon, vous le dire, les filles. D'accord. Et tout à l'heure, si vous... C'est la fin de la journée. Dernier passage à la pointeuse. Chaque jour en France, une centaine de ces centres accueillent près de 2000 stagiaires. Le réseau existe, et on le sait peu, depuis plus de 20 ans.
En moyenne, 2/3 des apprenants trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent. Il fait froid quand même, hein. C'est marrant parce que je ne pensais pas qu'il y aurait fait si froid que ça. Voilà, Itinéraire 10 touche à sa fin, créer son propre emploi en passant par Internet ou retrouver confiance en soi pour mieux aborder le marché du travail. On l'a vu dans cette émission, malgré l'enthousiasme et l'expérience, pas facile de retrouver un travail quand on l'a perdu. Pourtant, l'enjeu n'est pas mince quand on sait que l'on rentre de plus en plus tard sur le marché du travail, une question qui interroge notre société. Françoise, merci pour votre témoignage et on vous souhaite bien sûr de très vite retrouver du travail. Merci, avec plaisir. À bientôt. Thank you.